Amis téléspectateurs, une structure vit par la qualité et les efforts conjugués de ses travailleurs. La CBG, née en 1963, n'a pas failli à la règle. Et si toutefois elle a atteint son niveau actuel de performance, c'est grâce aux sacrifices consentis par ses premiers employés et à l'appui du gouvernement dont les représentants à l'ambassade de Guinée aux États-Unis, des représentants qui avaient eu des accords de crédit pour le développement des infrastructures de la CBG. À l'occasion de la célébration des 50 ans de la création de la CBG et des 40 ans de sa première expédition portière, ses travailleurs se souviennent. Allah Salim, c'est une bonne occasion pour moi après 45 ans depuis la signature de ce prêt. À l'époque, j'étais conseiller commercial et chargé d'affaires à l'ambassade de Guinée à Washington où nous avons vécu pendant 7 ans. Ce prêt dont on parle aujourd'hui a été absolument indispensable pour que les travaux de la construction de CBG soient obtenus. Après dures négociations, désiré mais après 3 ans, c'est seulement le 18 septembre 1968, avec tous les efforts fournis par le feu Excellence Bangoura Karim, que la terre lui soit légère, nous avons pu obtenir ce prêt signé à cette même date, en présence donc des autorités américaines et de tous les partenaires de ce projet. Il y a eu deux accords. Le premier, c'était 64 500 000 $. Que la BIRD, la Banque internationale pour le développement, la reconstruction et le développement, a accordé à la Guinée. Donc, il y a eu le deuxième prêt, c'est prêt de 25 millions de dollars. C'est un prêt octroyé par Exim Bank, toujours à CBG, mais il fallait que le gouvernement soit co-signateur du prêt. Et à l'époque, j'étais chargé d'affaires, l'ambassadeur avait été rappelé, et ensemble avec les représentants de Alcoa, nous avons ensemble signé ce prêt à cette date-là. Voilà les deux prêts que nous avons eu à signer entre les banques américaines et CBG. CBG, j'ai commencé par Alco, à Tamara. C'est nous qui avons fait tomber le premier palmier de Tamara. On a ouvert la mine, on a construit le port et le concassage. Ensuite, on a ouvert les carrières de Tamara, l'exploitation de la bauxite. En 1972, on a fermé Tamara, on a recruté, on a repris tous les travailleurs de Tamara, on les a envoyés à Kamsar. Quand on est venu, il n'y avait pas de logement. Le RBQ, là, c'était prêt. On a les cadres, on les a logés là-bas au départ. Et après ça, au fur et à mesure que les villas, que le logement s'apprêtait, on affectait ces villes et ces logements aux travailleurs et leurs familles. Quand je suis venu, j'étais ingénieur d'exploitation. Superviser l'ensemble des opérations. Donc chaque fois qu'un problème se posait, je partais, on réglait le problème. Après quoi donc, j'ai été nommé surintendant d'exploitation de l'usine. C'est là que je suis resté pendant un bon moment avec évidemment, l'ensemble des travailleurs, les expatriés et les Suisses, les Guinéens. Et après quoi, je suis allé faire un stage à Boston, à Harvard Business School. Je suis revenu, on m'a nommé directeur de l'usine. J'ai été engagé à CBG en 1973. J'ai toujours été secrétaire départemental.
J'ai commencé par le département du personnel, la secrétaire du surintendant du personnel, et de l'ingénierie au département 59. J'ai évolué au département 59 jusqu'en 1998. Il y a eu des engagements. Des engagements, CBG a créé une entreprise du nom de Alex Sokatrak, où j'ai pris fonction de chef de personnel pendant 2 ans et demi. Et CBG nous a repris encore en 2004 au service des relations publiques et de la communication comme agent administratif. J'ai pris ma retraite le 31 août 2009. Je dois beaucoup à CBG. J'étais venue à CBG très jeune avec mon mari. On a eu des enfants ici qui ont étudié à CBG ici à Kamsa, et qui sont partis à l'université, qui sont revenus. Il y en a qui travaillent ici. Je dirais que je suis très heureuse. J'ai été très heureuse de travailler à CBG. Tout ce que je suis, c'est grâce à la CBG. Vous vous imaginez, je suis arrivé à la CBG à 25 ans. J'ai quitté à 65 ans. Le 3 mai dernier, j'ai complété mes 40 ans de vie à la CBG. Je ne peux rien dire de ma vie sans me référer à CBG. Formation à l'intérieur, à l'extérieur, à l'usine, partout sur le tas. Toutes les difficultés, gestion des ressources humaines, je connais CBG. Je connais les hommes de CBG. Je connais la machinerie de CBG. Je connais les installations de CBG pour avoir eu 40 ans d'expérience à tous les niveaux. Grâce à CBG, j'ai eu des rencontres de haut niveau, au niveau des institutions républicaines, au niveau de la présidence de la République, au niveau des ambassades, parce que tout ce qui se passait, j'étais le responsable de la presse écrite et de la presse orale. Donc il fallait que je sois là pour pouvoir témoigner. Je suis l'historienne du présent. Ah, quand on a planté un arbre et qu'on le voit donner des fruits, que l'on est fier. Bravo à tous ceux qui sont en train de poursuivre notre œuvre. Nous l'avons commencé. Heureusement, nous ne l'avons pas abandonné. Les jeunes sont venus, on leur a souhaité la bienvenue. On a cheminé ensemble. Et aujourd'hui, ils pensent mieux que nous. Bravo. Tout ce que je regrette et qui me fait mal au cœur, c'est d'être là, rien que dans ma lecture. Amis téléspectateurs, c'était là la première partie du reportage sur les mémoires de la CBG, compagnie des bauxites de Guinée. Demain, à la même heure, nous irons à la découverte d'autres souvenirs d'anciens travailleurs de la CBG, dans la deuxième partie consacrée aux mémoires de la CBG.